David was a rural boy. David était un garçon rural. Who became king of the nation of Israel. Qui était devenu par la suite roi de la nation d'Israël. He was a boy that was inconsequential. Il était un garçon qui était qui n'était pas conséquent. But he started by bringing value to his father. Mais il avait commencé à apporter de la valeur à son père. He took care of his father's sheep. Il prenait soin des brebis de son père. He was responsible. Il était responsable. And he took care of his father's sheep at the risk of his life. Et il prenait soin des brebis de son père au risque de sa vie. Some people live with their parents. Certains vivent avec leurs parents. Some people live with their guardians. Certains vivent avec ceux qui les gardent. Some people live in a home. Certains vivent dans leur foyer. And they bring no value whatsoever. Mais ils n'apportent pas de la valeur. They only do what you say. Do this, they will do. Seulement c'est lorsqu'on leur dit fais ceci qu'ils le font. Do that, they will do. C'est ainsi qu'on leur dit faisait ceci d'abord qu'ils vont le faire. Sometimes you tell them do this, they will not do. De temps en temps vous allez leur dire faites ceci mais ils ne le feront pas. Most times they know what they ought to do but they leave it undone. Mais dans beaucoup de cas ils savent ce qu'ils doivent faire mais ils le laissent sans le faire. They are in the home and things are getting bad. Things are just getting dilapidated, and they don't care. Ils sont dans une maison ou dans un foyer. Les choses se dilapident, mais ça ne les gêne pas. They don't care that things be repaired. Ils n'ont pas soin que les choses puissent se réparer. They are self-centered. Ils sont centrés sur eux-mêmes. They only care that their fathers or their guardians will provide food. Leur soin est juste que leur père ou celui qui prend soin d'eux puisse juste leur pourvoir de la nourriture. Provide clothing. À pourvoir les vêtements. Provide education. À pourvoir l'éducation. Provide all the good things of life. À pourvoir les bonnes choses de la vie. And they don't care about the home and the parents of the home. Ils n'ont pas soin de la maison ou des parents en charge de la maison. Is that you? Tu es ainsi? David was not like that. David n'était pas ainsi. David not only took care of his father's sheep. David ne prenait pas seulement soin des brebis de son père. David not only took care of his father's business. Il ne prenait pas seulement soin des affaires de son père. He took care of it at the risk of his own life. Il prenait soin de ses choses ou des affaires de son père au risque de sa vie. He learned how to develop his skills. Il avait appris à comment développer les habiletés to defend the sheep. Afin de défendre les brebis. From every kind of predators. De tout genre de prédateurs. He learned how to come against wild animals. Il avait eu à apprendre comment faire face aux animaux sauvages. Lions. Les lions. Bears. Les ours. Why? Pourquoi? So that his father will not suffer any loss. Afin que son papa ne puisse perdre aucun animal ou aucun brebis. So that his father's business will not suffer loss. La raison est pour que son père, les affaires de son père ne puissent pas connaître de pertes. He gave himself for the success of his father's things. Il s'était donné pour le succès des choses de son père. He was concerned about his father's success. Il était concerné par le succès de son père. He defended the sheep.
at the cost of his life. Il défendait les brebis au péril de sa vie. He was a risk taker. C'était quelqu'un qui prenait des risques. Some other person will run away. Certains vont fuir. It's better let him take just one sheep and go and let the lion just take one sheep and go and eat. And I'm safe. My life is safe. Donc ils se diront seulement une seule brebis que le lion puisse la prendre aller manger. Donc je n'ai rien. David was not like that. David n'était pas ainsi. He saw himself as a failure. Donc il ne se voyait pas comme étant quelqu'un qui faisait de l'échec. If he lost a single sheep. S'il perdait une seule brebis. He saw himself as a failure. Il s'était vu comme étant quelqu'un qui avait connu de l'échec. If he could not protect his father's sheep. S'il ne pouvait pas protéger les brebis de son père. Hallelujah. Amen. Do you see yourself as a failure when your father's things fail in your hands? Te vois-tu comme étant un échec lorsque les affaires de tes parents sont en train de tomber entre tes mains ou de se gaspiller entre tes mains? Is it your natural father? C'est ton père naturel? Is it your guardian? Ou peut-être quelqu'un qui prend soin de toi? Is it your adopted father? Ou peut-être ton père adoptif? What do you see that he is carrying? Qu'est-ce que vous voyez qu'il est en train de porter? Are you concerned about it? Vous êtes concerné de ce qu'il est en train de porter? If he's a businessman, si c'est un homme d'affaires, are you concerned about it? Êtes-vous concerné de son affaire? If he's carrying the work of God, s'il est en train de porter l'œuvre de Dieu, does it suffer in your hands? Est-ce que l'œuvre de Dieu est en train de souffrir entre vos mains? So that it doesn't make progress, afin que cela ne puisse pas avoir du progrès. And you are there and you are still comfortable. Vous êtes là et vous êtes confortable. David was not like that. Donc David n'était pas ainsi. David was not like that. David n'était pas ainsi. David had a heart. David avait un cœur that considered the things of his father precious. Il devait considérer précieusement les choses de son père. He was willing to work hard for his father's success. Il était volontiers en fait de travailler dur pour le succès de son père. And he was willing to risk his life. Et il était volontiers en fait de risquer sa vie. Are you willing to risk your life even to produce results? Es-tu volontiers afin de risquer ta vie afin de produire du résultat?